Hello guys, this is the harder video, the normal French speed video, for a video which will go up at the same time, which is me talking on the same topic, which today is somebody's annoyed me on YouTube, on the internet, and I'm going to tell you why. So if you want the easier version, it will have been loaded at the same time. This will be the harder version. Now, as I always say, I try and talk in a good 3-4 sentences in French before translating, because that's what most of you have asked me to do. I'm sorry if when I go to translate that it's not exactly 100% identical to what I've just said in the right order, but I hope it helps, okay? So it's just to try and give everybody what they want at the same time. Oui, donc tout d'abord, franchement, que je vous dise, je suis super vexé, je suis super énervé, franchement, il y a un camp en ligne qui m'a trop fait chier. So first of all, I have to tell you, I'm really annoyed, I'm really pissed off. There's an idiot on the internet who's really pissed me off. Alors en ce moment, je bosse avec un Américain qui est super sympa, il s'appelle Ian, il est adorable. At the moment, I'm working with an American guy called Ian, he's brilliant, he's lovely, ok? Et voilà quoi, il est super motivé et franchement, ça me rend content de pouvoir bosser avec lui. He's really motivated and it makes me happy to be able to work with him. Donc, il avait proposé la semaine dernière de effectivement... En fait, ce qu'il avait dit, c'est que, Luc, moi j'utilise Reddit et je pense que ça serait une bonne idée de parler de ta chaîne là-dessus. So he said, Luc, I use Reddit and I think it would be a good idea to speak about your channel on it, ok? Moi j'ai dit, ça ne me gêne pas, ça m'est égal, comme tu veux. I said, I don't mind, whatever you want, as you please. Il a dit que j'apprécie énormément ta chaîne, j'apprécie énormément que tu le fasses gratos, et je pense que ce serait sympa de pouvoir te redonner quelque chose. He said, I really appreciate your channel, I appreciate that you do it for free, and I think it'd be nice to be able to give you something. Ma meilleure amie, Sam, elle aussi, elle adore Reddit, elle adore regarder... Elle adore le regarder de temps en temps. So my best friend Sam, she's lovely, she likes to read Reddit from time to time as well. Et donc quand je lui en ai parlé, parce que justement je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah oui, partage avec moi, j'aimerais bien savoir sur quel sub Reddit, etc., là où il a laissé ses messages. She said to me, I'd love to know, share with me, I'd love to know where he posted these sub Reddits, these whatever, because I'd love to read them. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit là où ça se trouvait. So I told her where it was found. Après avoir travaillé aujourd'hui, elle m'a contacté pour me dire, Luc, j'étais morte de rire parce que des gens, ils ont écrit des choses bizarres, quoi. So she said she died laughing because people wrote some really weird stuff. Quelqu'un a dit que j'étais beau, que je leur plaisais, qui est toujours, voilà, agréable. So somebody said that I was handsome and that they fancied me, which is always pleasurable. Mais quelqu'un d'autre a dit, Luc, il a l'air bien louche. Luc, he seems really dodgy. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tu peux pas plaire à tout le monde tout le temps, mais pourquoi il dit ça? I said to myself, why did he say that? You can't please everybody all of the time, but why did he say that? Après avoir lu, et voilà mon erreur, après avoir lu ce qu'il avait écrit, after reading what he wrote, j'ai décidé de lire la suite. I decided to read the follow-on. La suite, from the verb suivre, to follow. Mon erreur. J'aurais jamais dû le faire. I should have never have done it. Il avait écrit, oui, je viens juste de lui parler. Il est louche, il est bizarre. Ouais, je soupçonnais qu'il soit louche. Et tout a été confirmé, il est bien louche. Yeah, he's really dodgy, I've just spoken to him. Ouais, il a essayé de me forcer, he tried to force me. Je voulais pas acheter un cours privé avec lui, un cours particulier, mais il m'a quand même forcé. He tried to force me to buy a private lesson. N'importe quoi, mais de la merde, de la merde, de la merde. Absolute rubbish. What a load of shit. Quelle connerie, what bullshit, ok? Il m'a trop fait chier, he really pissed me off. Ok, et heureusement j'ai une copie de tout ce qu'il a écrit. And happily I've got a copy of everything he said. Parce qu'on a eu une conversation. Because we had a conversation. So allow me to explain to you. Permettez-moi de vous expliquer. So this guy had started writing stuff about me. I had talked about the fact that I would be 40 in February. J'avais parlé du fait que j'aurais 14 ans en février. And this guy, why am I going English first, French first? Pourquoi est-ce que je commence en anglais?
Donc ce mec, il avait dit, oh, mais t'as pas l'air d'avoir, tu fais pas ton âge, t'as pas l'air d'avoir 40 ans, tu veux toujours te marier, tu veux toujours des enfants. This guy was like, oh, you don't look your age, you seem much younger, do you still want to get married, do you want to have any more children, etc. Okay? Et moi, je me suis dit, c'est naturel de vouloir poser des questions, mais c'est pas vraiment le bon endroit pour le faire. It's natural to want to pose questions, but it's not really the right place to do it. Donc, j'ai laissé un message disant, je suis désolé, mais merci de respecter comment j'organise ma chaîne, mais si vous aviez envie de me parler, merci de trouver 6 juin mon adresse email. I said, I prefer not to talk about this kind of thing, but you know, please find attached my email address if you want to talk to me, but I don't really discuss private stuff on YouTube, and here's why. Ok. Moi, je m'inquiète beaucoup. Tu vois, je suis très sensible. I worry a lot, I'm really sensitive. Tu vois, je ne voulais pas qu'il le prenne mal. I didn't want him to take it badly. J'imaginais ce jeune homme ou cette jeune femme qui avait essayé de me parler, tu vois, et au lieu, je sais pas, d'être bien reçu, qu'ils avaient l'impression que, tu vois, que je, enfin, que j'étais méchant. And I was worried that they would think instead of being well received, that they hadn't, you know, that they thought I was really evil. Donc j'ai envoyé un message genre, oui, donc il m'a contacté. Il m'a envoyé un email, il s'est mis un email. Mais parce que je lui avais fourni, enfin, je lui avais fourni mon email, I supplied him with my email. On s'est parlé pendant 20 minutes, c'était agréable, we spoke for 20 minutes. Et enfin, une des premières choses qu'il voulait faire, il a dit, ouais, tu vois, serait-il possible de te suivre parce que moi je suis très Twitter. Would it be possible to follow you because I'm really Twitter, I'm really on Twitter. Et moi je lui ai dit que moi je m'en sers pas, je m'en sers carrément jamais pour mon travail, I don't use it for work, ok? Et à vrai dire, je m'en sers carrément jamais non plus. I don't ever really make the most of it. I never really use it, Twitter. Okay? I like reading what other people say, but I don't use it. Mais je ne l'utilise pas. Then I said, and also, if I'm honest, it would be nice to see who you. Aussi, je lui ai dit, si j'étais honnête, ça serait sympa de voir qui vous êtes parce que son nom d'utilisateur, c'était neutre. Il n'y avait pas de prénom, je ne savais même pas. Enfin. Je ne savais même pas qui c'était. C'était quelque chose comme love, hate, un truc bizarre. Et j'ai dit, je suis désolé, mais oh, lui, parce que lui. So I didn't even know what his username was, because it was something neutral. It was something like love, hate. J'avais demandé de. Enfin, je lui avais précisé, et tu vois, c'est quand même un peu bizarre parce que je ne peux même pas voir ton visage. It's a bit weird because I can't see your face. I don't know who you are. J'ignore totalement qui vous êtes. J'ignore, ignorer to not know. So then. J'ai des copies de toute cette conversation. Si personne en veut, I've got copies of all this conversation if anybody wants it. Et après, ensuite, il a dit, oh, mais moi je suis très Twitter, j'aime bien Twitter, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir tous mes amis ensemble. I'm really Twitter, so I'd like to have all my friends together. Et moi j'ai dit, écoute. Tu vois, je suis ici si jamais vous avez envie de faire des cours particuliers. I said, I'm here if ever you want to do private lessons. N'hésitez pas, servez-vous, il y a toutes mes vidéos en ligne. Help yourself, there's all my free videos online. Mais, parce qu'à ce moment-là, il a insisté, il a continué à me parler en français. At that point in time, he continued to write to me in French. J'ai fait quelques petites corrections, I did a few corrections. Mais j'ai dit, écoute. Sorry, but I'm not really going to give a free French lesson for that amount of time with somebody who had kind of been asking a few weird questions. Whatever, I just didn't want it. Et j'ai dit, écoute, sincèrement, j'ai pas trop envie d'offrir un cours gratos, tu vois, pour quelqu'un qui m'a posé quelques petites questions personnelles. Tu vois, j'avais pas envie. Donc, je m'en vais. Et je lui laisse, enfin, tu vois, je laisse mes coordonnées. So off I go and I leave my details, ok? Tu vois, c'est moi qui a foutu le camp. It was me that buggered off, c'est moi qui a. Qui est, moi, je suis parti. I left, ok? Today, after finishing. Aujourd'hui, après avoir fini mon travail, j'arrive à la maison et j'en parle avec Sam. Today, I get home after work, I write, I get home and I talk about it with Sam. Je vous rappelle que Sam, c'est ma meilleure amie. I remind you that Sam is my best friend, ok? Elle.
m'a félicité, elle s'est moquée de moi, she congratulated me, she teased me. Elle a dit, oh, il y a des commentaires intéressants, there's some interesting commentaries. But there's one guy who's a real asshole. Il y a ce mec qui est un vrai con, mais un vrai con, a real asshole. Tu vois, parce qu'il a dit que tu étais bien louche, mais ton pote américain, il t'a défendu. He said you were really dodgy and your American friend defended you. Là, je me suis trompé. J'aurais jamais dû le faire. There I made a mistake and I should have never done it. Je suis allé regarder ce qu'il avait écrit. I went to look what he'd written. Mais le blaireau quoi, l'idiot. Quel con. Ok, il m'a trop fait chier. He's really pissed me off. C'était, oui, je viens juste de lui parler. Il était super louche. Tu vois, je soupçonnais qu'il soit louche, mais en fait, voilà, c'est bien ça. I suspected he was, that he's weird and it was really that. He's really dodgy. Il a essayé de me forcer, he tried to force me to do, enfin, tu vois, un cours de, enfin, dont j'avais pas envie, a lesson I didn't want. What the fuck? What the fuck? Et comme tu sais très bien, moi j'habite juré normalement, moi j'habite juré, enfin, tout le monde, as you know, tout le temps, as you know, I try to avoid swearing too much. Mais en ce moment, putain, il m'a trop fait chier, il m'a agacé, il m'a... Tu vois, moi, j'ai mon boulot, moi j'ai mon travail, j'ai ma carrière, tu vois, I've got my job, I've got my career, I've got my work, ok? Et je passe mon temps libre en train d'offrir les vidéos. I spend my free time offering videos. Oui, c'est mon travail. Évidemment, pour des gens qui ont l'impression qu'ils ne progressent pas suffisamment. For those who have got the impression that they're not progressing enough, bien sûr, je vais vous offrir la possibilité de bosser avec moi. Of course, I'm going to offer the possibility of working. Mais putain, je suis un putain de professeur. I'm a fucking teacher. OK? Mais comme je vous ai bien précisé, comme je vous ai bien expliqué, les vidéos seront toujours gratuites. As I've always said, these videos will always be free. Comment il ose écrire que je suis louche et que j'ai tout forcé? How he said I was dodgy and I forced everything? I was like, what the fuck? So basically, là j'ai appris, j'ai beaucoup appris. I've learned a lot, okay? I shouldn't be so sensitive. Je ne devrais pas être aussi sensible. Somebody else criticized my voice. Quelqu'un d'autre a critiqué ma voix. Saying that I had like a voice which resonated or, you know, whatever. Disons que j'avais une voix qui résonnait. Oui, je le fais exprès pour que vous puissiez me comprendre. Yeah, I do it on purpose so you can understand me. Oui. Donc franchement, je suis vexé. Je suis un peu déçu, a bit disappointed. Et je l'ai très mal pris. I took it badly. Pour ceux qui ont écrit, for those who've written, pour ceux qui ont écrit, j'aime beaucoup ces vidéos. Tu vois, c'est un service super utile. Je vous remercie. For those who said I really like the videos, it was a really useful service. Thank you very much. Ok. Et pour ceux qui sont en train de se dire putain, je l'ai jamais vu aussi sensible, Luke. And for those who are thinking to themselves, I've never seen him so sensitive, Luke. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Not qu'est-ce que se passe, qu'est-ce qui se passe, because the verb isn't then having a new subject afterwards. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse. Je présente mes excuses. I'm sorry, I present my apologies. Mais who the fuck are you telling me I'm dodgy, you weird, weird, weird dickhead? Yep, so anyway, there you go. There's today's moral story. So I'm happy that new people have come to the website thanks to Reddit. Je suis super content que des gens soit venu, subjunctive, ici, grâce à Reddit. And if anybody wants to call me dodgy for providing free internet content for free on YouTube with my spare time when I could be having a laugh with other people, call me dodgy. Si des gens veulent dire que je suis louche, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je veux passer mon temps libre en train de vous offrir les contenus gratuits, alors voilà, j'insiste. Faites-le, do it, go ahead. Call me dodgy. So anyway, anybody who doesn't think I'm dodgy, I'm feeling a little bit sensitive right now, and I would like you to tell me, Luke, ignore them, they're one person and they're an asshole. Pour des gens qui pensent pas que je sois louche, j'aimerais bien entendre quelque chose, parce que tu vois, je suis un peu sensible en ce moment, et j'en ai bien besoin. So, there you go. Video over, video fini. So, la prochaine fois, je pense que ça serait un thème un peu plus raisonnable. Next time, it'll be a more reasonable theme. If you've enjoyed the video, please do let me know. OK? Si la vidéo vous a plu, merci de m'en parler. OK? See you soon. Take care.